l'un qui est à poil. Vous me reconnaissez, non? C'est moi, le champignon. Si jamais la police le voit, il va finir en taule, donc faut qu'on aille l'habiller. J'ai pas le droit d'être à poil, donc... Non, bah, interdit dans cette ville. Hey, hey Richard. Je bande. Mais tu t'es vachement bien fait. À quel niveau? Je comprends pas. Non mais je veux dire, t'as la même implantation de cheveux et barbe, c'est bien fait. Ah c'est marrant, j'ai la même taille, la même calvitie, c'est fou. C'est... Toi t'es un sacré bûcheron en revanche hein. Ah bah j'ai une taille moyenne, je pouvais faire plus grand encore. En gros je t'explique, le problème c'est que il y a le bureau du shérif là-bas, il y a beaucoup de monde devant. Oui. S'il te voit, t'es foutu. Je suis ton frère, je viens d'arriver, j'ai... C'est quoi le rapport avec le fait que t'es à poil là? Mais j'ai eu un voyage très compliqué, j'ai croisé des bandits qui m'ont volé mes habits. Oh, je suis... Mais ils vont demander à ce que tu déposes une plainte au bureau du shérif si tu dis ça. Non, car je suis d'un naturel peu rancunier. Et donc... D'accord. Oh là là, c'est quand même... Je me sens aussi mal à l'aise que si j'étais, à poil, et je crois que je suis à poil, hein. C'est peut-être pour ça que je suis mal à l'aise. Sans les regards, bonjour à tous. Fais comme si de rien n'était. Bonjour messieurs. Alors dites-moi que tous ces gens-là viennent pour le recrutement, shérif. Tout est normal. Eh ben à mon avis, aucun de vous ne sera le shérif, puisque aucun de vous n'a fait une remarque sur ma tenue. Alors attention parce que... Oh, j'ai pas parlé trop fort, non? Moi j'ai 39 dollars, t'as combien toi? Moi j'ai 60 dollars. Il faudrait que tu ailles voilà, dans cet hôtel et je t'attends. Bonjour. c'est un comptoir. Hein. Ah, vous êtes l'homme du comptoir. Non, ça c'est quelqu'un qui achète ses... Ah, vous êtes un client, excusez-moi. Bon, moi je reviens, je vais voir le prix des chevaux. Bon, on va prendre le strict nécessaire. Hein. Tu fais un slip avec ce que j'avais. Avez-vous des bijoux en or que vous ne portez plus? Ah non, j'ai pas une telle chose sur moi. D'accord, alors monsieur, ce que je vous propose... Transformez cet or en argent. Ah, oui, bon, eh bien, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec votre idée. Moi, j'ai des choses à faire. Monsieur, laissez-moi finir, j'ai pas fini mon explication. Merci beaucoup. Couleur gilet, mais j'ai même pas de gilet. C'est quoi, c'est... J'ai du chemin. J'ai pas fini mon explication, c'est monsieur. Pas grave, merci beaucoup. J'y comprends rien. Oh là, je ne sens plus mes bras. Je t'aime, au revoir. Pourtant, je suis RP, hein. 120 dollars, 42... Non, mais la honte. La honte. Je vais rejoindre Jack et je vais lui dire qu'on est un peu dans la merde au niveau des prix parce que là, c'est... Ah voilà, ça c'est bien ça. Ça se passe bien, Richard? Ah, pardon, c'est moi Richard, j'ai complètement perdu la tête. Ça se passe bien, Jack? Ça n'ira pas du tout, donc on va plutôt... Oh ça c'est bien ça. Et peut-être des chaussures. Ah, ah bah les hobbits alors. Les petons qui se payent. Oh la vache. Attends, je vais prendre ça là. Il sait qu'il va le payer ça parce que... J'ai super peur. Jack? Oui, regarde, j'ai décidé de faire mes chaussures moi-même pour économiser, qu'est-ce que t'en penses? Est intervenant de cirque au sein d'une troupe d'artistes du Périgord. Oh bah, proche de ses sous, c'est parfait ça. Ça va. Tu verras que j'ai été me renseigner près de l'écurie. Quels sont les prix? Disons qu'avec la bourse qu'on a, on peut avoir un âne. Eh bah c'est pas mal, on peut monter à deux sur attends, un âne. J'espère. Ok, pour 60 dollars, on peut éviter d'avoir un âne. Monsieur, c'est 10 dollars le premier cheval. Hein. Oh, il y a une ristourne. C'est le... Vous voyez mon cheval squelettique là qui a pas mangé depuis 6 mois? T'es envie de crever? Oui. Il a 10 dollars. Ouais, bah justement, on va pas prendre celui-là, merci beaucoup. Alors, du coup. Ouais, bah, c'était super affaire. Non, mon bon vieux Jack, tu préfères quoi? Un âne pas cher ou un cheval qui a de la gueule? Celui à 60, il est dégueulasse en passant. Il t'a quasiment insulté, le monsieur, mais bon, c'est pas grave. Oui, bah attends que je le recroise. La question est évidente, je préfère un cheval bien stylé. Alors, dans ce cas-là, donne-moi 21 dollars. Ouais. Et j'en fais mon affaire. 21 dollars, j'imagine que ça suffirait. Ouais, n'abuse pas non plus, hein. Je vais pas tarder à te les donner. Tu. Admettons, allez, on est 500 ans dans le futur. Ouais. J'inventerai une expression qui dirait waouh, au hasard, clic droit. Sache qu'après ça, je n'ai plus un sou en poche. Alors j'y vais, je vais acheter auprès de l'écurie. Toujours vivant. Regarde ça. Oh, oh bah tiens, il est arrivé très vite. Oh, bah. Tu commences pas. Bah alors. J'ai comme une furieuse envie de t'attraper, c'est bizarre. Tu ne commences pas à me chanter par callback? Ah. Bah rendons d'ici, hein. Un homme étrange est venu me voir, il m'a dit qu'il m'aimait. Monsieur, je vous aime. Au revoir. Ouais, il m'a dit la même chose. Ah, c'est marrant. Il faut vraiment qu'on trouve un moyen d'avoir de l'argent. J'ai 33 dollars. Il y a des gens qui ont fait fortune avec moins que ça. J'ai aucune idée de comment on se fait de l'argent en 1854. Tu as souvent vu... Un monsieur tout nu. Deux hommes comme ça sur un cheval...
par ici. Disons que c'est peut-être un peu mal vu. Il faudrait que tu évites de m'agripper la taille comme ça en plein Far West. Ah mais j'essaie, mais je n'y arrive pas, j'ai trop peur. Tu me rassures trop. Ah. Ouais. Faut blaguer, est-ce que non t'aurais plutôt... J'ai ma carte, mais je n'y vois pas grand-chose, comme si elle était pleine de sable. D'accord, et donc tu n'as pas une ville que tu pourrais m'indiquer avec ta carte? Ah bah là, on irait bien vers Cumberland Falls. Oh, excusez-moi. Monsieur, excusez-nous, on a besoin de renseignements. Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi. Monsieur, n'ayez pas peur. Oui, bonjour. Oh ah, non, bah c'est, non, ce non, serait... non, ah non, 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 non. C'est bon, c'est bon. Finalement, on n'a pas besoin. On s'en sud-ouest. Il me met la chair de poule. J'espère que cet homme est conscient qu'on connaît très bien le shérif du comté et qu'à tout moment... on peut lui avoir une expulsion du territoire. Je me cours pour le surveiller. Oh, je vois rien. La garde rapprochée. J'ai eu ouï dire que cet homme était surveillé dans le comté déjà. Ah, et bah tiens. Oh bah tu sais, les nouvelles vont vite ici, hein. Il va repartir tout droit chez lui, dans une charrue là avec ses bœufs, et un coup de pied au cul, et du goudron, et des plumes. Porte. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis un petit peu occupé. Alors, est-ce que vous pourriez nous indiquer la direction de Strawberry? Bonjour. Oui, en fait, bonjour, je peux faire quelque chose pour vous. Faites la queue comme tout le monde. J'ai l'impression que le monsieur n'a pas fait la queue. Grand respect à lui, notamment. Mais... Par ça contre, va aller. Le chien va falloir. Non. Ah, il veut jouer, il veut jouer. C'est mon chien quand même, chérie. Ouais, bah ton chien, soit tu le calmes, soit je le calme. Pas très grave. Je vois que les esprits s'échauffent. Excusez-moi, nous, moi je voulais juste savoir où était la ville de Strawberry. Alors, Strawberry. Vous avez pas une carte? Vous avez une carte? Ma carte est pleine de sable. Bah venez, je vais vous montrer où en acheter une. Viens là, le chien, avec moi. Ah, ben il sait faire des tours. Nique ton père, toi. Ah, ouais. Ce genre de tour. Vous voulez qu'il fasse peur au cheval? Pousse ta mère, oui. Oh waouh. Oh waouh. Vous avez des échos sur Strawberry un petit peu Blackwater, vous aurez plus de chances de vous faire un peu d'argent à Blackwater, je pense. Ouais, bon, très bien. On va se mettre en route pour Blackwater. Vous avez pu récupérer une carte? Oui, j'ai la carte, merci beaucoup. On va à Blackwater ou on va à Strawberry? On va à Blackwater. Ah bah prends la voie de chemin de fer, tiens, on va la suivre. Mais c'est interdit. C'est interdit, mais il n'y a personne ici. J'espère surtout qu'il n'y a pas un train. Ouais, ce serait logique, ouais. Oula, je continue. Homme. Deux hommes. Oh, ils sont comme nous, deux hommes sur un cheval. Attends. Suis-les, suis ces hommes. Est-ce que vous auriez pas à Blackwater? On voulait juste demander si vous alliez à Blackwater, en fait. Blackwater, eh bah voilà, on va vous suivre, parce qu'on sait pas trop où ça vous dérange pas si on vous suit. Ouais, j'ai le flair, j'avais flairé ces deux gars-là, et puis, voilà, enfin des gens qui osent... Sympa comme tout. Ça fait du bien de voir des gens qui osent se mettre à deux sur leur cheval, et qui se tenir par le hanche. Il faut que ça progresse un peu, la société, là. Vraiment à Blackwater et que ce n'est pas un guet-apens. Oh, j'espère aussi, mais pas moins fort, il pourra nous entendre. Est-ce qu'il revient de Blackwater, ce monsieur? On a qu'à demander à tout le monde s'ils viennent ou s'ils reviennent de Blackwater. Messieurs, on va toujours à Blackwater. Il est impossible de se tenir droit face au vent. Vous êtes quand même les gens les moins bavards que j'ai croisés aujourd'hui. Excusez-moi de vous déranger, messieurs, mais figurez-vous que... Bah déjà, monsieur, d'accord. Eh bah dis donc, c'est marrant, vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Cousin Francis, c'est toi? Bonjour. Non, moi c'est quoi? Ah, on recherche du travail. Du travail honnête et rémunérateur. Du travail un peu... Oh non, pardon. Alors là, je suis sûr que c'est... Il y a méprise, vous voulez vraiment pas, monsieur? J'ai mon bras qui a une vilaine tendinite et des fois, il part tout seul. Allez-y, ce ne serait que justice, ce ne serait que justice. Ah voilà, elle est belle. Et bravo à vous, franchement. Allez. Et puis, une petite, comme ça. Allez, tu arrêtes ça, Richard, t'as rien à voir là-dedans. Un massacre plus tard. Bon, désolé, mon brave. Maintenant que tout le monde est calmé. Et comme vous avez vu, on a des bras et on est prêt à s'en servir. On a envie de bosser. Bah, moi j'ai du boulot, mais bon, c'est pas ce que vous recherchez. Ok, c'est quel genre de boulot? C'est-à-dire? Pas honnête. Bon, vous voulez qu'on aille en parler un petit peu plus loin? Vous savez, on est pas contre non plus. Moi je viens de rejoindre le mec qui me fait pas trop confiance encore. Le mec? C'est qui le mec? Bah, le mec qui organise tout. Il est là, le mec? Ouais. Il s'appelle comment, le mec? Je connais plus son nom. Ah ouais. Ouais. Tu te souviens pas du nom du mec? Qu'est-ce qu'ils font là derrière? On cherche quelqu'un, figurez-vous, dont on connaît pas le nom. Nous on cherchait du travail, mais c'est tout. Et toi, quoi, c'est quoi ton petit nom? Quand je dis petit, petit, je pense que c'est une façon de parler, quoi. Attention, on me l'a déjà faite celle-là. Hein. Je suis Jack Boulon. Attention, parce que. Et si tu regardes bien, je ne suis pas le seul. Je suis peut-être le seul à être assez petit comme ça, mais bon... Je dis petit devant tout, quoi. Un petit whisky, quoi. Un alcoolo. Un petit chien. Lui, c'est un petit copain aussi, lui. Sacré Francis. Après, vous n'avez pas l'air d'avoir le même avis sur les bretelles. Ah non, moi, je suis pas bretelle, moi. Moi, je suis plutôt bretelle. Ah bah, je vois ça. Plutôt bretelle. Vous êtes finalement très différent. J'ai dit que j'étais bretelle. Ah, oh là, dis donc. Il est fou, mais c'est qui lui? Il fallait être bretelle, hein. Nous on était fermiers, maintenant on est chômeurs. Bah sinon vous pouvez aller un peu vers le sud, vous pouvez aller chercher de l'or si vous voulez. Oh, c'est intéressant ça. Ça j'aime bien, vous avez dit un mot qui m'intéresse là. Vous leur demandez là, à Marie ou la grande ville, vous leur dites ouais je vais faire de l'or et ils vont vous donner ce qu'il faut pour faire de l'or. Excusez-moi, il y a quelqu'un ici qui veut affronter mon chinois? Non, ça va aller. Bon, de l'or au sud, c'est tout ce qu'on a appris de cette discussion. Si je me souviens bien, c'était Armadillo. Oh ouais, ça fait encore une trotte. Ah ouais.
Hey, ils sont malades, ça, oh. Ça vous dérange pas? Bah si, vous me dérangez, oui. Alors, messieurs, vous êtes passés tout à l'heure, vous avez pris les gens pour des quilles. Ah, et là, mais c'est pas nous. Ah si, c'est... je vous ai vu très clairement. Ah non, non, on mais a renversé personne. Vous êtes le shérif, non, monsieur le shérif. Et en plus de ça, vous avez le même cheval. C'est quand même une drôle de coïncidence. C'est quelqu'un qui a volé mon cheval. Quelqu'un a volé son cheval et on vient de le récupérer. Pourquoi vous me faites ça? J'ai rien fait. Assab. Mais monsieur, vous avez raison. Est-ce que vous faites maintenant nous informer qu'on n'a pas besoin ou qu'on n'a pas le droit d'avoir des chevaux en ville? On ne le savait pas et maintenant on le sait. Et ça, c'est bien que vous fassiez ça. Bon, ben, est-ce que vous pouvez me montrer votre pièce d'identité, je vous prie? Alors là, le problème, je peux vous dire tout de suite, c'est qu'on a complètement oublié d'aller chercher nos papiers. Comme par hasard. C'est des Mexicains, shérif. Je vous prie de bien vouloir circuler, monsieur. Ah, c'est des Mexicains. Vous dernière, monsieur, s'il vous plaît. Vous déjà, que vous portez pas de bretelles. Le karma frappe tôt ou tard, hein, monsieur. Là, ce qu'on veut, c'est aller chercher de l'or à Armadillo. Ah, bah, c'est même à ça. Tumbleweed. Armadillo. Tumbleweed. Ah, c'est mieux à Tumbleweed, alors. Eh bien, vous voyez, j'ai appris une deuxième chose. Vous êtes vraiment un shérif extraordinaire. Ah, il y a deux shérifs, comme quoi... On n'a jamais assez de shérifs. Hein. Surtout au vu des événements qui se passent en ville. Ouais, ouais, notamment des gens avec des chevaux, quoi. Ça, c'est... C'est raclure de bilès, c'est non. Ah, ces enculés salaires, on peut le dire, on est entre nous. Ah oui. Vous faites un boulot formidable. Alors, ici, vous pouvez acheter une pièce d'identité pour... Eh bien, écoutez, un dollar seulement, j'en ai zéro. Dis-moi, mon bon vieux Jack, tu me fournirais pas un dollar? Je vais te fournir ton dollar. Ah, c'est bien gentil de me donner un sou. T'es vraiment sans le sou. Hein, ah oui, il serait peut-être temps de trouver un temps. Ah oui, je n'ai plus rien. C'est moi qui garde son argent. Et vous avez acheté quel cheval, monsieur? Alors, écoutez, j'en sais rien, il est très... Ah, très joli, non? Merci. Il est fou, lui. Que... Ah, le marchand est très... Vous êtes très énervé, là. Tu perds la boule. Hein, je perds pas... pas la boule, le marchand m'a tapé. Ah, j'en suis sûr et certain. Ah, mais le marchand, on le voit depuis tout à l'heure et il va bien. Ouais, bon, bah ça doit être dans ma tête. Alors, par contre, vous avez réussi à montrer votre pied d'identité, monsieur Pastel? Oh, écoutez, je vais chercher dans mes poches, attendez. Y'a un peu neuneux, hein. Et ben voilà, Jack, voilà ma carte. Merci beaucoup. Tu peux m'en donner ma carte une fois que tu l'auras bien lu. Ah oui, effectivement. Je te l'ai donné. Alors, parce que... Attends, parce que là, c'est quand même... J'imagine que tu dois fouiller très loin dans ton sac à dos. Ah ouais, ça c'est quand même... C'est... Ouais, t'as vu. Ah, merci. J'ai donné une carte, mais... Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis prêt à te jurer que j'ai reçu une balle. Vous allez pas me traiter de fou plus longtemps. Non, c'est... Non, moi, je ne sortirai pas d'ici. Mais personne... Mais y a pas eu de balle. J'ai reçu une balle dans le buffet. Vite, Richard, évite les balles. Jack, je crois qu'il y a vraiment personne qui tire. Oh, c'était moi une. Je crois vraiment que personne n'a tiré. Hein. Alors, c'est au sud. Prends une route, je te dirais. Tu peux aller tout droit. Ouais, tu peux couper. Hein. Tout droit, il y a une montagne que tu aurais pas remarqué en face de nous. Bonsoir. Bien le bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Non, pas de problème. Vous avez pas un petit travail pour nous? T'es gay ou t'es hétéro? J'ai toujours dit... que ça dépendait des fois. C'est des gens, ça dépend du point de vue. Et qu'il n'y a pas tout blanc ou tout noir sur cette planète, ma bonne dame. Je vois. Gay. Attention, enfin. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes bien aimable. Merci. Quel gentilhomme. Il est vraiment bien habillé. Il est très poli et courtois. Je pense qu'il avait beaucoup d'argent. Et pourquoi les Portugaises, elles pètent? Vous allez bien? Bonjour, monsieur. Vous voulez qu'on appelle de l'aide? Qu'est-ce que vous dites? Que votre cheval est à moi? Vous plaisantez, c'est vrai. Vous me donnez votre cheval? Vous l'offrez. Mais c'est d'une gentillesse rare. Vous êtes vraiment un homme de foi. Alors, ah non, moi, ça c'est magnifique. Être à pied, c'est la base, c'est tant mieux. C'est bon pour le corps, bon pour l'esprit. Oh, le morceau. Regarde, ce gentil moine avait même une selle. Oh, quelle chance, mais il est énorme ce cheval. Enfin, je me permets. À droite toute. Bah, ah oh, d'accord, je t'avais pas vu, je te cherchais. Ouais, t'étais juste à côté de moi. Oui, je vais regarder dans mon sac à dos si j'ai pas quelque chose à grignoter sur... Tu seras gros. Excuse-moi, mon bon vieux Jack, j'étais perdu dans mes pensées. J'ai trouvé dans ma besace des petits biscuits. Ils ont appelé ça Belle Vita. Oh, Belle Vita, comme ça sonne bien. Ça va faire un carton dans les années 2000. C'est un peu sec, non? Alors, je t'avoue que là, c'est un peu un étouffret. Tu peux boire ça avec du lait ou... Tu seras gros. Putain, ce qu'on est haut. Hey. Waouh. Non. Arrête, demi-tour. Ça va pas. Oh. Ça va pas, hein. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frein sur les chevaux. Il est fou, lui. Bah, évidemment qu'il n'y a pas de frein. C'est normal. Il faudrait inventer une telle chose. Un système de poulie ou je ne sais quoi. Oui. Est-ce qu'on sait même ce que c'est une poulie, en fait? J'en sais rien. Mais non. Ça n'a pas l'air très agité. On dirait que la ville est déserte. Madame. Bonjour. C'est
Voilà. On a quelques petites questions à vous poser, est-ce que vous êtes disponible? Ouais, c'est une question, por favor. Nous voudrions travailler dans la recherche d'or et nous avons besoin d'outils. Est-ce que vous savez si par ici on peut se procurer des outils de ce genre? Vous voulez vraiment perdre votre temps dans l'orpaillage, seigneur? C'est si nul que ça? C'est possible qu'on nous ait mal conseillé. C'est vrai que le mec avait pas l'air très malin. Écoutez, j'ai envie de vous dire que si vous avez une meilleure offre pour nous, on sera preneur. Est-ce que vous aimez les risques? Est-ce que vous aimez prendre. Eh ben, je crois que vous nous avez tout à fait cerné. Regardez, il fait 1m60, il a un cheval de 3 mètres. Vous croyez pas qu'on aime les risques? Je suis tombé plusieurs fois de ce cheval et je me relève toujours. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien et tout. Bienvenido. Sí, la Cayela, está muy bien. Ah, il voit que vous connaissez, il y a la langue. Ah, oh, bien sûr, el alumno, sentados. On peut peut-être vous aider, non? On est en train d'en discuter d'orpaillage avec cette dame qui nous disait que c'était complètement nul. Si on cherchait un boulot, il fallait mieux aller vers autre chose. Et on était en train de lui demander vers quoi? Non, mais. Vous allez bien? Non, tout va bien. Si vous voulez absolument avoir de l'argent, travailler de l'or, c'est un bon début d'ailleurs. Mais on nous a dit que c'était un peu long. Non, vraiment, il n'y a personne qui leur a dit ça. Non, personne. C'est ce que je me suis dit, c'est ce que j'ai cru comprendre. On y pensait tout à l'heure à cheval, on s'est dit, l'orpaillage finalement, est-ce que ce serait pas terrible? Mais moi je trouve que l'orpaillage c'est un peu. C'est un peu. Carrément. Et voyez, nous, on a du courage. Non, mais on a de la motivation. Mon bon vieux Jack, écoute, on va faire un petit tour, on va y réfléchir. Vous savez où vous dirigez pour aller vers l'orpaillage, non? Oui, on sait, on va aller par là, vous inquiétez pas, on connaît le chemin. Hé, Jack, le dernier arrivé à l'église était tout mouillé. Excusez-moi. Derrière l'église même, je pense. Oui. Derrière, vraiment derrière. Il est vraiment tout près. Il est juste là. Tourne, tourne, tourne autour. Je vous vois. Ah bah tiens, vous recherchez quelque chose sous la charrette? Ah, c'est encore vous. Vu que vous êtes, comment dire, vous avez le temps un peu pâle pour la région, je m'en voudrais personnellement qu'il vous arrive, comment dire, des ennuis. C'est vraiment très adorable, monsieur, mais vous inquiétez pas. Nous, de toute façon, on s'est dit qu'on allait s'installer quelques temps ici, voilà, l'affaire de quelques heures à peine. Et de toute façon, on ne sait même pas encore si on va à la Tumbleweed. Puis on n'est pas très important, vous êtes très occupé, ça se voit, et nous on n'est pas aussi important que ça, c'est quand même très généreux. Ouais, comprenez bien qu'on a la garde de nous payer à notre. Ta gueule ! J'adore jouer à un jeu avec mon frère, ça s'appelle Le dernier arrivé à la maison a perdu. Hop, c'est parti ! C'est loin le Wisconsin ! On y va ! Il faut partir de bonne heure ! Mais on se le mettons ! Sinon on sera jamais arrivé ! Jack. Je crois qu'on s'est mis le cartel du Mexicano. C'est pour ça que je me suis dit, en partant, on va quand même pas en plus leur voler un cheval. Non, t'as bien raison. J'ai l'impression que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde dans ce joli cartel. Non, du tout. Aïe, putain, c'est des cactus. Aïe. Dans les fesses. Et le cheval de l'imam. Merde. Il était quand même magnifique et en plus on voulait le vendre et ça nous aurait fait un beau paquet de pognon. Il est encore là-bas le cheval. Ok, je mets une trace, t'es prêt? Quelqu'un arrive là. Le monsieur m'a donné de la tequila. C'est pas le moment du tout. J'ai jamais retrouvé la scénariste d'or. T'es bien trop grand, je te l'ai toujours dit. Bien tu dépasses des fougères. J'ai peur de me faire valouche. Tu sais que je ne savais même pas qu'on était arrivé au Mexique. Ah non plus. Ah mais comme quoi, on aurait dû s'en douter en fait. Il n'y avait pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Je crois qu'il y a le cheval de l'imam. Ah non, c'est quelqu'un qui le monte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on trouve la señorita, elle va nous proposer un travail en or. Il n'y a pas un pistolet pour faire un coup de feu ou quelque chose. J'ai un délicieux ragoût. D'accord, mais ça va pas nous aider. J'ai de la tequila. On peut peut-être soudoyer quelqu'un avec de la tequila. Señorita. Señorita. Prenez votre cabayot et on s'en va. Ok, très bien. Très bien, très bien. Barre-toi, sale bichon. Oh là. Jack, le dernier arrivé, Colin a perdu. Encore un jeu. Allez, zombie. Ah, ok. Vous êtes avec nous? Allez, va vite, la dame. Je sais pas ce qu'elle a donné au cheval, mais. La cocaïne du Mexique, hein. C'est tout à fait légal, ce cheval-là. On met de la C dans le foin, ici, hein. C'est quelqu'un d'impressionnant, votre patron, hein. Mon patron? Oui, en fait, on n'a pas tout compris. Ah, c'est pas votre patron? Je vous avoue que je ne sais même pas si c'est un organisme légal. Tout l'État de l'Ouest, c'est eux qui s'en occupent. C'est tout simplement plus précisément la police. Mais vous m'avez dit que vous cherchez du coup un métier un peu, comment de se faire de l'argent rapidement. Exactement, c'est exactement ce qu'on cherche. Exactement. Il vous suffit de vous munir d'une pelle. D'accord. Et ouais. D'aller rendre visite aux morts la nuit tombée. Oh, mais je crois que je vois ce que vous voulez dire. Attention, ce ne sera pas sans souci. Change up. They got amnesia, don't remember how they played up.
the state they love me. I understand they hungry, but please don't hate.